Voilà, alors salut, on se revoit pour ce petit montage de notre mannequin en papier. Alors, vous le voici, vous devez avoir une petite planchette. Je l'ai ainsi choisie avec à peu près un petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Mais vous pouvez prendre ou un carton rigide, vous verrez, de toute façon, en fonction du poids. L'idéal, c'est d'avoir un socle qui soit suffisamment lourd pour que le personnage ne tombe pas après. Vous prenez une simple scie éguine, ordinaire, une scie à bois, et vous faites une section carrée, hein, ici pour, ou alors tout le long même de là, vous voyez, ce que j'ai marqué au crayon. Voilà, et on se revoit dans un petit instant. Alors j'ai donc coupé cette petite planche. J'ai conservé le résultat sur plutôt la longueur, sur plutôt un rectangle afin qu'il y ait une meilleure assise, hein, que ce soit plus stable. Il faut dire que bon, c'est pas non plus, ce n'est que du papier, donc c'est très très léger. Et ensuite vous reprenez ce personnage. Des punaises. Et nous allons tenter de le fixer avec les punaises sur la planchette. Voilà. Et une deuxième. Il n'est pas tellement nécessaire de les enfoncer complètement. Pour ce dessin, je travaille avec ce qu'on appelle une pierre noire. C'est un dessin qui a une mine très tendre. Là, en l'occurrence,
la graduation de cette mine est 3B. C'est une mine extrêmement grasse. L'intérêt de la pierre noire, c'est que lorsque vous tracez, vous avez immédiatement une marque de mine très prononcée et le contact est très agréable, et très très jubilatoire parce que la mine est à la fois très tendre et elle a une consistance telle qu'on a l'impression qu'elle est légèrement humide. On a cet effet argileux très très prononcé et très moelleux qui augmente le plaisir de dessiner.
Là, nous sommes partis de quelque chose de très rudimentaire. Et ce que je vous suggère, c'est continuer à travailler sur ce thème pour développer, par exemple, un personnage, cette fois-ci plus élaboré, toujours en jouant avec ce système du mannequin de papier. Voilà. Je vous laisse maintenant vous y mettre si vous en avez envie. Et puis,